N'oubliez pas tout le monde et bienvenue dans mon monde d'innovation et dans mon monde d'Internet. Voilà comment Internet a évolué dans sa version primaire et dans ses nouvelles versions. Donc, dans sa version primaire, en fait, l'efficience d'Internet, ça reposait bel et bien, en fait, juste sur les prémices de la mise en place d'un protocole de télécommunication. C'est ce qu'on appelait de type TCP et IP. Alors, moi, je suis pas une spécialiste ni un développeur, donc je m'arrêterai là. Mais en fait, ce protocole de communication de type TCP/IP, il a donné lieu à nourrir la créativité autour de l'émergence de nombreux autres concepts et de nombreuses autres technologies que l'on pourrait associer à cette première. Voilà. Et notamment, qui va s'appuyer sur quoi? Ben, la notion d'un réseau dit décentralisé. Donc, aujourd'hui, en fait, Internet devient l'Internet de la valeur. On crée de la valeur nouvelle par Internet. Pourquoi? Ben, en lui ajoutant une nouvelle version, on va dire un peu plus élaborée. En fait, on associe le blockchain à Internet pour en obtenir un Internet de la valeur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous vivons actuellement à l'ère de la transformation autour de comment donner encore plus de valeur à ce protocole de communication. That is the YEPA question. Voilà. Comment est-ce que l'on crée de la valeur, en fait, grâce au blockchain sur Internet en utilisant cet outil de télécommunication et comment ben, on satisfait les nouveaux besoins. Voilà, je vous dis à bientôt, YEPA.